דברים שנוהגים לאכול בליל ראש השנה. סקונה לקוטים דומנג'ה לסואר דו ראש השנה. הסימנים שאוכלים לסימן טוב. יהיה אדם רגיל לאכול בראש השנה רוביה, קרתי, סילקה, תמרים, דלעת. כמו כן אוכלים תפוח בדבש ורימונים. לסימן טוב פור סוסו איתן בונוגיור. On a l'habitude de manger à Rosh Hashanah. Rubia, c'est les sésames. Kartir, les poireaux. Selka, c'est les blettes. Dal temarim, des dattes. Dal laat, la courge. Également, on mange la pomme trempée dans le miel. Rimonim, des grenades. Vechen, ochlim, rosh kebes, verea. On mange la tête de l'agneau. Il y a certains qui mangent les poumons. Et Sibat Kolam le Simantov Bithilat Hashana. Tout cela, c'est pour souhaiter au seuil de l'année une bonne année Be'ezrat Hashem. Comment ? La roche, c'est pour Rosh Hashanah, pour le début de l'année, mais le poumon, c'est pour le milieu de l'année. Le poumon, c'est la chanson de Réa, Shir E Otanu, Akashvarku, Be'ayin Toba. Minagenu Gamle, Choshum Shum, pour ceux qui expliquent Rubia, veut dire les haricots. Alors, il y a ceux qui disent « Rubia, c'est les sésames », donc on met les sésames, on mange les sésames. Mais au Moyen-Orient, on dit « Rubia, Lubia ». Lubia. Tiboul prosat hamotzi. Milibad seder simanim. Nahagu. לטבול את פרוסת המוציא בדבש או בסוכר לשימתו. קום אגלמה סוויתין בנוגיור איפו למנהג עבורי כלו מת למוציא, לפן דו מוציא, לטרמפה דן דו מייל וביאנון דו סוק. דעתם קובלים. Sholonim Kubarim, surtout Kafahaim, il faut d'abord le mettre dans le sel. Raka Harkach Visukar, ce n'est qu'après cela qu'il faut le tremper dans le sucre. Om Nam, Minagenu Shalom Metabilim Bemelah Klal. Notre minag est de ne pas tremper dans le sel. Et chez nous, on ne trempe que dans le sel. Alors, on le fait dans le sel ou pas dans le sel? Et pas le sucre et pas des vaches. On ne fait pas? Pourquoi? Parce que Mela, Akur Korban Yechat, Takrib Mela. On ne mettait pas du miel. On ne mettait pas du miel. Du sucre. Ça va? Non. Quoi? Alors, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est comme ce qu'il dit. Mets dans du miel ou du sucre. Donc on met dans du miel. Ça va, c'est tout. Pas de sel. Pas dans le mélah. Pas de sel. Pas de sel. Ok. Mais au mélah, tu peux mettre du sel. Ma khali à Seouda. Bisouda et au khalbassar shamen. Et cholmine metika. Dans tout repas qu'il mange de la viande grasse et toutes sortes de douceurs, les fruits, les chocolats, tout ce que... Mais il y a des chocolats, les gens ne veulent pas du tout. Prendre tout ce qui est un peu noir, qui vire vers le noir. Ils ne veulent pas prendre le café, ils ne veulent pas prendre le chocolat. כדי שתהיה השנה הבאה עלינו את תוקף שמנה,
afin que l'année soit aussi grasse et metouka et douce. Comme disent les hassidim, ça ne suffit pas que l'on dise Shana Tova, une bonne année. Mais la bonne année peut être bonne, mais amère. Il faut ajouter metouka, umtouka. Il faut qu'elle soit douce. Il faut que l'année soit douce aussi. Chen katou b'sefer Nehemia. Ichlou mashmanim ushtoum amtakim. Ainsi, il est écrit dans Sefer Nehemia, il leur a dit aux Bnei Israël, maintenant allez-y fêter. Ichlou mashmanim, mangez tout ce qui est gras. Ushtoum amtakim, et buvez tout ce qui est doux. Yeshan noagim. להימנע מאכילת דברים חמוצים ואין סוחטים לימונים חמוצים לתבשיל. יעשו כאון למנהג, דנופה מוז'ה דבריונט, כסו עגר. וגלמו נופה סיטרוני לפלא. פור נופה דיתו גוטה ככושוס דגר דסיד. Il y a ceux qui ne mangent pas non plus le piquant.